On se retrouve au pied d'un très bel immeuble, car... Il a tapé le Urus, là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous promets, je l'ai entendu de très très loin. Hello everybody, this is Philippe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo au week-end du Grand Prix de F1 à Monaco. Quelle violence. Tellement imposant une GT2 RS. NSX. Waouh, la nouvelle Aston. Ah non, c'est pas une nouvelle du tout ça. Bah je sais pas. Alors là vous voyez, il y a quelques Ferrari dont un Puro Sangue bleu. Mais maintenant que j'ai vu le Puro Sangue bleu derrière moi, celui-là il fait hyper fade. Regardez-le bien, ce bleu là, bon déjà il a les contours des roues en plastique. Bon ok, déjà ça c'est pas ouf. Mais regardez le bleu ici, et regardez maintenant celui qui est derrière moi, je vais me retourner. Vous trouvez pas que l'autre il fait fade maintenant? Incroyable ce bleu là, avec les tours de roues en carbone, les jantes même c'est pas les mêmes. Étrier jaune, il est vraiment wow. Et l'intérieur, comme ceci, cuir et Alcantara marron. Il est sublime. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je vais savoir les deux sur le même plan. Voilà. Fond là-bas, on a l'autre bleu. Rien à voir. Alors là, on a la nouvelle R8 GT violette. Et regardez la plaque GT en plus. Violette, des belles jantes, l'aileron. R8 GT. 333 exemplaires, non? Et la STO là-bas qui est en plein contrôle de police, la pauvre. Un beau Puro Sangue suisse à présent. Gris. Intérieur beige. Gris, intérieur gris même. Allez, c'est le croisement des Aston Martin DBX 707. Je peux filmer à travers lui une Vanquish. Magnifique. Config hyper classe. Et il y a un autre DBX là derrière la camionnette, mais il est caché. Regardez, je vous ai pas menti. Donc là, il y a les deux Aston. Et là, il y a une autre Aston. On a un peu partout des BX 707. Waouh, c'est quoi cette 812 Competition de folie là? Bande dorée, liseré doré même. Intérieur, il a l'air d'être beige. Jantes carbone, étrier assorti à la peinture. Elle est magnifique. Et la plaque qui va bien. Et allez, encore un DBX. Vraiment, c'est la voiture du peuple en ce moment. Et là-bas, on a un Urus. Voilà, ça, c'est le trafic monégasque. Urus, Rolls Down, Rolls Down. Voilà, les bouchons à Monaco, c'est ça. Après les deux Rolls, on a deux Ferrari, Roma et SF90. Avec le pack Assetto Fiorano, c'est propre, c'est très beau. Sur le circuit là actuellement, c'est les Porsche Cup, là c'est la place du casino, mais moi je suis autour du circuit, du coup je profite des endroits qui sont ouverts à la circulation pour faire un peu de car spotting, par exemple ici US spec, très sympa. Autre combo à présent, deux 812 GTS. Et d'ailleurs, il y en a une qui vient de passer là, il y a 30 secondes, une grise. Ça fait 3 812 GTS en très peu de temps. Sympa celle-ci.
avec l'Inter assorti à la bande centrale. Donc là, ok, mais on vient de voir une Chiron là-bas se garer, on va aller la voir de plus près. Et on se retrouve au pied d'un très bel immeuble, car, boum, Bugatti Chiron Sport, édition noire. Donc limité à 20 exemplaires dans le monde. Et comme son nom l'indique, tout est noir dessus, même le macaron Bugatti noir, la calandre elle est comme ça, spécifique aussi. Et tout est carbone, noir, mat, apparent, jante noire, intérieur noir, le sky view, donc les toits vitrés là comme ça au-dessus. Et elle a beau ne pas avoir une couleur pétante, tous les gens qui passent sont choqués, la prennent en photo, la regardent. J'essaie de vous filmer là, tac, une, deux, 20, il y a écrit. Là, ici, il y a écrit noir et une, deux, 20. C'est marrant, une, deux, 20, pas une sur 20 ou une one of 20, non. C'est une, deux, 20. Oh, le disque, il brille comme un miroir. Il a l'air vraiment pas usé. Hein. Et de l'arrière, tac, avec l'échappement de la sport, donc les quatre sorties centrales, aileron position basse, moteur noir mat et carbone aussi. 1500 chevaux W16, évidemment. Cette arête centrale n'empêche vraiment très très stylé. Et pour l'arrière, bon, il y a une petite corde au milieu, désolé. Tac, peut-être qu'elle va pas rester longtemps, hein. On va sûrement la voir démarrer. Donc j'ai hâte. Petit W16 là pour nous réveiller un peu. Et ici, on a une McLaren 750S, aileron carbone, jantes dorées, étriées, dorées, mais c'est pas le même doré que les jantes, vous voyez. Et l'intérieur avec tous les détails orange, orange et noir, comme ça. Rétro carbone, c'est écrit 750S ici. Et sur l'avant, j'avais pas vu ça. Ils ont mis des petites bandes de ce style. Je sais pas si c'est d'origine McLaren, mais elle a vraiment beaucoup d'options de carbone. Hein. Vous voyez, regardez, tout le phare là, le contour, il est en carbone. Ici, la petite arête carbone aussi. Et c'est une Spider, vous voyez, le toit vitré, qui d'ailleurs, avec un bouton, il peut s'obscurcir. Comme ça, là, vous voyez, ces miroirs, on voit pas à travers. 599 HGTE jaune, splendide. Regardez là, on arrive bientôt au coucher de soleil. Tous les yachts qui viennent tous les ans pour le Grand Prix, c'est impressionnant. Regardez celui-là, comme il est énorme. Enfin, ils sont tous gros, hein, mais tac, celui-là là-bas aussi, incroyable. Oh, celui-là, je crois qu'il est encore plus gros que les autres que je viens de vous filmer là derrière. Là. Il est immense, le nom c'est Renaissance. Tout là-bas au fond, on dirait qu'il y a un voilier immense. Ici, en mode bateau de croisière, mais avec des voiles. Tout là-bas, très très loin. Et là, à droite, derrière, ça, je crois que c'est une croisière de luxe. Genre, c'est ambiance yacht, mais version croisière de luxe. Et le circuit ouvre dans 20 minutes. Donc, on va tranquillement marcher vers le rond-point du portier. Et ça ouvrira dans peu de temps. Elle est très sympa, cette MC20 Cielo, blanc mat, avec l'intérieur blanc assorti. Regardez l'intérieur, comme il est sympa. Regardez les sièges, volant avec de l'alcantara. Je trouve la config peinture mate avec les petits reflets, les jantes, l'intérieur comme ça. Je sais pas, le tout j'aime bien. J'aime bien le rendu final. Elle fait très large cette voiture. Bon, elle est très large, hein, mais elle impose. Regardez la config de ce Classe G Brabus moitié, comment on peut dire, moitié beige, moitié chocolat, jantes chocolat. L'intérieur même, waouh, l'intérieur est magnifique. L'intérieur Brabus, regardez, ils ont refait toutes les parties en métal là, cette couleur là. Brabus en 800 chevaux. En fait, la config, on dirait un cookie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est d'un jet bleu classique. Oh, regardez devant chez Ferrari. Déjà, ils ont rentré le Puro Sangue bleu de tout à l'heure. Et il y en a un noir qui s'est posé devant. C'est beau d'ici. C'est vraiment une voiture incroyable, le Puro Sangue. Une réussite de design intérieur comme extérieur. Il a les mêmes jantes que le bleu dedans, vous voyez. Ça y est, la route a réouvert, les amis. Et on démarre avec une abeille AMG GT Black Series. Elle n'a pas l'échappement d'origine, celle-ci. Vous prenez quel 4x4 là des deux? Clean-An ou Puro Sangue? Ça n'a vraiment rien à voir, hein, mais il fait petit le Puro Sangue derrière quand même. 812 compètes à perta verte, jante carbone. Elle est vraiment incroyable, celle-ci. Ça, c'est une config originale. Ceinture jaune dedans, vous voyez, assortie à la ligne jaune. Quel look! Les Urus.
y a une Aventador Roadster blanche et juste derrière moi dans les bouchons il y a une SP3, Daytona SP3, je vois pas encore laquelle c'est. Il arrive, moi je m'avance et dans les bouchons. Ah ok, c'est la bleue qu'on voit de temps en temps à Monaco, mais je l'avais pas encore vue ce week-end, donc ça fait une nouvelle hypercar de plus ce week-end. Ça fait plaisir. Elle est bleue. Quelle voiture. Très large, très imposante. 992 GT3. Salut. Sympa en rouge. Et en parlant de rouge. Tac. Et maintenant une GT3 RS après la GT3. Le petit combo était sympa la couleur. Avec là le panneau Monaco derrière. Sur le circuit qui vient de réouvrir il y a peu de temps. Là il y a une ambiance, ça y est. C'est trop trop bien. Bah décidément ça enchaîne. Après la GT3, la GT3 RS, ça. GT3, la GTE. Merci. À l'arrière de cette voiture, il est très imposant. Les feux sont très hauts. Décidément, je vous ai déjà filmé combien de 812 aujourd'hui. McLaren GT. Avec les étriers roses et liseré rose. Oh, il y a une pista bleu, jaune, grise énorme, magnifique qui vient de passer là, mince. Oh, 992 GT3 RS de HSN, pour ceux qui connaissent. Alors là, il y a un énorme line-up. Regardez le nombre de voitures qu'il y a là ce soir. Il y a énormément de monde. Regardez Portofino qui est en train de recapoter. La 570S avec le wrap Camenon que j'ai vu l'autre soir. La Maybach, la pista. Le DBX, Porsche et 296. Et je vois pas encore ce qu'il y a là-bas devant le casino. On va aller voir. Donc ici, DBS, Super Leggera. Là, il y a un Cayenne bicolore. J'avais jamais vu ça sur un Cayenne. Assez improbable. Et devant le casino, on retrouve la SP3 de tout à l'heure. Ici, j'essaie de me faufiler. Il y a un monde fou. Voilà. SP3 bleu de tout à l'heure. F8. Culinan avec les jantes Fagiato, magnifique. Et la pista qui était cachée. Regardez l'attroupement ici. Parce qu'une voiture vient de démarrer, à votre avis, laquelle c'est? Tout le monde est allé autour. Elle est en train de sortir de la place du casino. Attention, elle arrive. Et voilà, Daytona SP3 bleu. Sympa là derrière qui arrive. Et là on a un participant du Modball en SVJ Roadster. Vous avez vu le wrap Caméléon? Je sais pas si c'est un wrap ou si c'est une couleur. C'est peut-être une couleur Lamborghini. Non, je sais pas. Peut-être un wrap. Je pense que c'est un wrap. J'ai pas vu beaucoup d'SVJ ce week-end. Hein. Je crois que c'est la première seulement que je filme. Celle-ci, elle est caméléon, comme la SVJ que je viens de vous filmer. On passe du bleu au violet. M3A, il a collé un truc de Dubaï, ici. M3, RS3 qui sont pas d'origine les deux, qui vont se faire calmer par la police. Voilà, il faut pas faire ça en ce moment. Enfin en ce moment et n'importe quand en fait. Et il y a aussi cette S8 modifiée avec eux. Ah bah regardez là. Le carbone derrière. Bon, elle va revenir, hein. Vous inquiétez pas, on va la refilmer. Petit convoi de Lambeau.
bâtiment monumental et ancestral. Oui, bah s'il s'arrête devant moi... Adrien, il y a le bus qui arrive, dégage tout le monde. La compétition de tout à l'heure est vraiment très très jolie. Ah, lui, il a sorti l'aileron de la Porsche, vous allez voir. Regardez l'aileron, vous n'êtes pas prêts. Bam. Je sais pas s'il a fait exprès ou pas, mais ça lui fait un aileron. Encore un participant du Mod Bowl. Il y en a encore quelques-uns au compte-gouttes hein, qui sont là pour le week-end. Ancien Stratos. Impressionnante. Qu'est-ce qui se passe là-bas, dans la Corvette? Ah ok, j'étais pas prêt. Marsupilami. Et c'est quoi la plaque? C'est un Américain en plus? Canadien. Compétition, encore une, c'est beau. Alors là ce soir au Cipriani, regardez, il y a une rareté parce qu'il n'y en a que 50 dans le monde. C'est la McLaren 650S Can-Am Edition. Donc elles sont toutes comme ça avec ces jantes là, carbone, ces bandes là, l'intérieur, voilà. C'est une édition à 50 exemplaires, très jolie. Et regardez aussi la particularité, c'est l'échappement qui n'est pas comme sur une 650S. Vous voyez, elle a 4 pots d'échappement. Donc c'est pas la même ligne, donc très sympa, aileron carbone, donc voilà pour l'édition. Là on a aussi du carbone sur ses jantes, c'est la 812 Competition Aperta verte. Et suivi de Urus Performante doré, M3 turquoise, Rolls turquoise, en face aussi Rolls turquoise. Et qu'est-ce qu'il y a là? La dernière Aston Martin DB12, gris marron un peu, intérieur très beau. Alors regardez à présent le rouge de cette SVJ, il est sublime avec les jantes dorées. C'est un rouge un peu bordeaux, rouge vin, c'est, un, voilà, c'est pas un rouge pétant en gros. Et c'est rare et ça lui va super bien. Franchement, grave sympa cette SVJ. Il est habillé dans le thème, dans la Roma. V12 Vantage. Ouah, il a tapé le Urus là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est du scotch dessus. Wow. Ah, ça fait des rupteurs gratuitement. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va faire une accélération? Légèrement. Alors là les amis, j'entends un vrombissement de Bugatti Chiron. Là il y a le W16 qui s'approche de nous, je l'entends déjà vrombir ici. Et ce qui est dingue, regardez, on en a une autre ici. Donc là on va avoir une image avec deux Bugatti Chiron pour le prix d'une. Allez, ça vient. Elle roulait vite, j'ai pas eu le temps bien de cadrer alors que ça bouchonnait juste avant. Salut à l'abonné dans la 296, elle est incroyable celle-ci avec les jantes Novitec. Elle est magnifique. Et puis même la couleur, hein, la livrée qu'elle a, c'est rare sur les 296. Splendide. Participant en mode ball, échappement Brabus, plaque française en plus. Devant le jet électrique, c'est insolent par contre. Je me demande s'il peut allumer ses LED ici, à l'avant là. Que je dis ça parce que sachez qu'un G44 au carré à l'époque, vous ne pouviez pas allumer les LED sur le toit sans faire
une modification chez Mercedes ou quoi. De base, il y a des LED, mais vous ne pouvez pas les allumer. C'est une histoire d'homologation, je crois. Donc là, je ne sais pas si ça s'allume. Toujours aussi propre une SLS. Waouh. C'est bien, les compètes, elles sortent là ce week-end. C'est cool. Oh, le rouge là sous le lampadaire, c'est tellement beau. Quelle voiture. Oh, regardez ce monstre. Waouh. Waouh, ça y est, je l'ai loupé tout à l'heure. Elle arrive. Murcielago LP 670 SV. Noir mat. C'est pas un wrap, hein. Feu teinté. Qu'est-ce qu'elle est incroyable cette voiture. Regardez ce look là. Elle fait peur carrément. Et là je me tourne, bam, un autre V12. La compète, encore une. Bah bon, on l'a déjà vu, mais c'est toujours plaisir. Oh. Et la Can-Am qui a passé phare. Sympa le conducteur qui m'a salué et qui se reconnaîtra peut-être dans la vidéo. En tout cas, incroyable le petit convoi là. C'est celle que j'ai loupée tout à l'heure de loin. Regardez ça. Ah, la dinguerie. 10 pouces. Bah, elle est dingue, hein. Waouh. Elle est incroyable. Je suis choqué. Les jantes là, waouh. Et la couleur de la voiture, la config dans son ensemble. Alors là, je suis en train de retourner à la voiture. Je suis garé par ici au parking, là, juste en dessous. Et la petite surprise en arrivant, pas ce Viano, mais ce qui est derrière le Viano. La Bugatti Chiron noire de tout à l'heure. La résonance, je vous promets, je l'ai entendue de très très loin. Boum. Tellement ouf une Chiron, mais la résonance, je vous raconte même pas. Oh là là. Impressionnant, mais quelle voiture. Et de nuit là, elle est dingue. Quelle voiture, quelle résonance, je m'en remettrai jamais. Elle rend up, bam.